Bienvenue à Saveur Locale. Encore une fois, nous retrouvons avec plaisir pour partager une nouvelle recette. Et aujourd'hui, dans l'émission, nous vous présentons une recette à base d'un légume qui est assez rare. C'est né noir. Il y a du monde appelé aussi loufa. Et à l'île de la Réunion, c'est appelé pipangaï, la police. Et là, nous pouvons accompagner ça avec la viande de porc. Nous faisons cette époque avec nos nénois. Donc, pour la recette, nous avons toute la viande, bien sûr, nos légumes, nénois, et nous avons besoin l'ail, oignon, xiao, du sel, du poivre, sauce huile et la poudre gange. Donc, pour nous faire cette recette-là, d'abord, nous avons besoin de couper la viande qui nous pour mariner avec l'ail, du sel, du poivre, un petit peu de sauce soja. Et donc là d'abord, nous coupons la viande. Nous coupons en fine lanière. Et pour sa recette-là, je suis capable de servir poulet aussi, bœuf, n'importe quelle viande que je choisis. Là, nous finissons de couper la viande. Maintenant, nous pouvons le mariner. Donc, nous pouvons mettre l'ail. Maintenant, nous coupons nos oignons. Alors, oignons, nous mettons à la fin. Voilà, maintenant nous poêlons la marine de la viande qui nous coupe en fine lanière. Nous mettons l'ail. Donc nous mettons l'ail. Nous mettons aussi. Ce soja, là nous mettons un petit peu de sel. Du poivre, sauce, et nous mélangeons le tout. Bien mélanger, je laisse de côté en attendant qu'il ne la vienne pas mariner. Là, nous pouvons éplucher nos légumes. Alors, ces légumes-là, nous appelons nénois, ou dans les autres pays aussi, nous appelons loufa, ou encore à l'île de la Réunion, nous appelons pipangaï, la police. Et donc, c'est un cucurbitacé, c'est-à-dire ils font partie de la famille bancouge, concombre. Et donc, plusieurs façons nous capables de préparer. Donc, là, nous pouvons préparer en sauté avec la viande, nous pouvons préparer tout simplement seul, sauter, comment on fait avec les autres légumes, comment pipangaï, ou sinon capable de faire à la vapeur aussi, ou bien même en soupe. Donc, ces légumes-là, sa particularité, c'est qu'on est sec, avec ça même qui nous prépare sa l'éponge de bain, qui nous appelle loufa,
Donc, c'est une l'éponge 100% naturelle. Donc, quand il est sec, nous enlève la peau. Et là, c'est avec ça qu'il nous gagne sa éponge de bain. Là. Donc, nous épluchons nos légumes. Et ces légumes-là, ils sont en Asie. Après, ils arrivent en Afrique du Sud. Et bien sûr, quand on arrive en Afrique du Sud, après, il arrive l'Obanzil aussi, donc à l'île Maurice, l'île Rodrigue, l'île de la Réunion. Que ben là, consomme ces légumes-là beaucoup. Mais ici, il vient un peu rare. Mais il est aussi bon qu'il donc pipangaï ou bien patel. C'est de la même famille. Voilà, maintenant, nous épluchons nos légumes. Maintenant, on a la couplée. Voilà, nous épluchons, nous enlève le vinaigre. Maintenant, nous couplons, nous pas couplons trop mince. Parce que c'est un légume qui cuit très très vite. Donc, et en même temps, nous pouvons mettre à la fin presque. Maintenant, nous pouvons passer à la cuisson. Nous lavions pork in mariné dans de l'ail, ce soja, du sel, du poivre et ce suite aussi. Et là, nous nettoyons nos loufas qui nous ne coupent pas trop mince puisque comme ça, nous ne pouvons pas retrouver le morceau là quand nous pouvons manger. Maintenant, nous passons à la cuisson de nos plats. Maintenant qu'il nous wok in chaud, nous met de l'huile. Donc nous laissons chaud une 2 minutes avant qu'il nous mette de la viande. Là, c'est prêt. Voilà, maintenant qu'il nous la viande bien dorée, bien sautée, nous mettons les légumes. La moune a couplé en un peu de gros morceaux pour qu'il trouve les bien et surtout quand on mange les ou retrouve les légumes là. Ou sinon, si vous préférez, vous pouvez couper plus mince aussi. Là, nous couvrons les, nous laissons les cuire encore pendant quelques minutes. Et juste avant la fin de la cuisson, là, nous pouvons ajouter la sauce qui nous peut préparer avec ce suite. Un petit peu de ce soja aussi et la poudre d'ange.
La nappe pour nous la sauce avec un peu d'eau. On met ce soja. On met ce huître. Et une cuillère à café ce soja. Et nous mettons la poudre d'orange. Donc, pour épaissir un petit peu la sauce. Et un petit pincée de sel. Et donc, ça, légume là, il n'y a pas besoin beaucoup de temps pour le cuire, 3-4 minutes. Surtout si vous les lit croquant. Et là, nous ajoutons la sauce. Et comme touche finale, nous mettons quelques gouttes d'huile de sésame. Là, l'huile de sésame apporte une note asiatique, donc un peu spéciale à nos plats. Voilà, après quelques minutes de cuisson, nous sautons de porc et nos légumes nénois sont prêts. Donc là, nous voilà passe au dressage à nos plats. Voilà, nous mettons un timbal de riz. Nous accompagnons le plat avec une sachet de pommes d'amour. Voilà, une petite touche finale. Saveur locale prend fin ici. Vous espérez que vous appréciez le plat. Aujourd'hui, nous présentons une recette de porc sauté au nénois ou au loufa, comment vous préférez. Et là, nous accompagnons avec un petit timbal de riz. Et aussi, il y a une sachet de pommes d'amour. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bon appétit !